Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, et qui, pour finir, disparaîtra totalement de la surface de la Terre, parce que nous l'aurons supprimée. Donc, dans cette vidéo, je ne suis pas seule, je suis en compagnie de mon amie Fatima. Salam alaikum tout le monde. Et nous allons faire un truc, c'est-à-dire que nous allons mettre la musique de Freedom, Celtic Music. C'est une musique qui correspond à, enfin, qui a été inspirée au compositeur par la lutte de résistants à l'Empire romain. Et en même temps, on va dire des affirmations. Et si vous vous demandez pourquoi on les répète, eh bien, parce que ainsi, on se synchronise l'une sur l'autre pour s'harmoniser, pour imaginer mieux ensemble et pour se coordonner au niveau spirituel dans la lutte contre le satanisme et les satanistes. Allez hop, on commence. Pourquoi est-ce que tout est possible? Pourquoi est-ce que tout est possible? Pourquoi est-ce que Dieu nous donne la victoire? Pourquoi est-ce que Dieu nous donne la victoire? Pourquoi est-ce que Dieu nous donne la victoire? Pourquoi est-ce que nous supprimons le satanisme et les satanistes? Pourquoi est-ce que nous supprimons le satanisme et les satanistes? Pourquoi est-ce que nous sauvons la France? Pourquoi est-ce que nous sauvons la France? Pourquoi est-ce que nous libérons la France? Pourquoi est-ce que nous libérons la France? Pourquoi est-ce que nous supprimons le satanisme et les satanistes? Pourquoi est-ce que nous supprimons le satanisme et les satanistes? Alors moi, là, je les vois comme des lapins noirs. Et on va les chercher, ils sont cachés derrière des arbres. Et on les tue et on les fait brûler sur un bûcher. Pourquoi est-ce que nous supprimons le satanisme et les satanistes? Pourquoi est-ce que nous supprimons le satanisme et les satanistes? Pourquoi est-ce que Dieu nous donne la victoire? Pourquoi est-ce que Dieu nous donne la victoire? Pourquoi est-ce que nous libérons la France? Pourquoi est-ce que nous libérons la France? Pourquoi est-ce que nous sauvons la France? Pourquoi est-ce que nous sauvons la France? Pourquoi est-ce que tout est possible? Pourquoi est-ce que tout est possible? Pourquoi est-ce que nous supprimons le satanisme et les satanistes? Pourquoi est-ce que nous supprimons le satanisme et les satanistes? Bon, là, personnellement, je me vois en train de régler son compte à un Rothschild. J'ai pas d'état d'âme, j'ai pas de regrets, j'ai pas de remords, j'ai pas de complexe, je lui règle son compte. Pourquoi est-ce que tout est possible? Pourquoi est-ce que tout est possible? Pourquoi est-ce que nous supprimons le satanisme et les satanistes? Pourquoi est-ce que nous supprimons le satanisme et les satanistes? Pourquoi est-ce que Dieu nous donne la victoire? Pourquoi est-ce que Dieu nous donne la victoire? Dieu donne la victoire aux croyants, il l'a promis. Dieu donne la victoire aux croyants, il l'a promis. Donc là, petit discours de la fin. Allez. Dieu a promis la victoire aux croyants, ça veut dire que si nous sommes sincères, totalement sincères, si nous plaçons la satisfaction de Dieu au-dessus de tout, si nous mettons Dieu en priorité numéro 1, si nous décidons que Dieu c'est le premier servi, comme disait Jeanne d'Arc, Dieu premier servi, Dieu va nous donner la victoire comme il a donné à Jeanne d'Arc et à ses soldats. Pourquoi est-ce que nous supprimons le satanisme et les satanistes? Pourquoi est-ce que nous supprimons le satanisme et les satanistes? Pourquoi est-ce que Dieu nous aide à sauver la France? Pourquoi est-ce que Dieu nous aide à sauver la France? Pourquoi est-ce que nous sauvons la France? Pourquoi est-ce que nous sauvons la France? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Je sens que c'est fait un petit peu. Je sens que c'est bon. Et toi? C'est quoi? C'est que ça y est, qu'on peut l'imaginer quoi. Ah, quoi. Oui. Voilà, bon, pour cette vidéo, ça sera tout. Je vous dis à très bientôt, les amis. Au revoir. Salam alaikum. Bonne soirée à vous, si c'est la soirée, comme pour maintenant. À bientôt.